Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Je suis désolé, en effet, ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de vidéo. Voilà, vous voulez m'en excuser, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui on est sur le parc d'Artaland et regardez déjà ce qui me plaît, c'est l'entrée ici. On voit déjà les coasters, les petites chaises volantes. Voilà, on voit une sorte déjà d'homogénéité de, comment on dit, t'as compris, tu sens que on va passer un bon moment dans ce parc. Alors voilà, il a l'air d'être assez complet le parc. Le parking est ici, d'Artaland, donc pour ce parc d'attractions, c'est bien ça. D'Artaland qui a été créé eh bien par Sniper TVMC, gros big up à toi. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il m'a envoyé son parc le 2 juin, nous sommes le 23. Et j'ai 50 parcs qui sont juste en dessous. Ça va être compliqué de pouvoir tout faire. Donc pour ce parc, il a été fait entre 10 et 15 heures. Au niveau de son niveau, il dit qu'il se débrouille bien. Et il s'agit de son deuxième parc qu'il citerait réaliste. Il s'est inspiré de quelqu'un sur YouTube pour de nombreuses files d'attente. Il n'est pas très doué pour les bâtiments, ils sont assez simples. Je lis ce qu'il m'a écrit, hein, c'est pas moi qui juge, hein, qu'on soit bien d'accord. Venez pas dire que je ne suis pas bienveillant. Pareil pour la décoration de certaines attractions. Et il compte refaire d'autres parcs, etc. Donc voilà, on va visiter son parc. Et on a un petit parking déjà pour commencer juste ici. Alors est-ce qu'il a été fait par lui-même ou non, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est comment il est compact et il a le mérite d'être là. Voilà, c'est plutôt pas mal avec une allée juste derrière qui fait partie du parc d'attractions. C'est pas des backstage, très bien. Donc avec les rambardes ici. Ok, et eh ben on va pouvoir y aller. Alors, bon là les visiteurs viennent par là. On a déjà des toilettes qui sont mises à disposition. On a des petits bâtiments. Préfab ou non, je ne sais pas, j'avoue. Mais ça a le mérite d'être là. Et puis on s'en fout de toute façon puisqu'on n'est pas à l'intérieur du parc en soi. Là on peut déjà, on peut voir aussi les... Est-ce que c'est le même? Ouais c'est le même. Magic Express, il est en panne. Bon, allez, frère. Très bien. Eh ben, on y va, les amis. On va rentrer directement. On a sur le côté les ATM. Très bien. La petite arche. Hop, on rentre. Des petites portes ici, ok. Très bien. Petit bâtiment des employés. Une petite file d'attente ici. Simpliste, en mode végétalisé. Très, très bien. Et donc, ça mène aux chaises volantes juste ici. Ça fait d'ailleurs un petit peu le tour. Tout à fait, et la sortie juste là. Ok. Pareil, un autre flat ride qui ne fonctionne pas. Personne ne veut faire de tour de l'overpower. Tout le monde s'en fout. Énorme. On a une tour infernale ici qui fonctionne un peu mieux visiblement. Donc là c'est pareil, la file d'attente elle est très végétalisée, très simple. Il n'y a pas besoin de faire trop Et puis en plus elle est assez longue, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein, vous avez vu, voilà, on est dans la forêt. Ça fait un petit parc en fait, hein, ça fait un petit parc familial. Enfin familial, quand tu vois la gueule du coaster qui nous attend, on va pas dire familial, mais t'as compris l'idée. Très bien, une petite roche pour décorer. Les allées sont assez grandes, elles sont pas linéaires non plus. Donc on a le petit chemin qui mène vers la gauche. Là on peut voir les bateaux passer sur l'allée, donc ça c'est cool. On fait un petit tour d'ensemble et après on fera les on-ride. Moi j'aime bien faire un petit tour d'ensemble. Là on est dans une zone un peu futuriste. Tout à fait. File d'attente linéaire. Ah là il a voulu essayer justement bah, j'imagine l'inspiration dont il parlait des files d'attente sur YouTube. Très bien. Bah là c'est pareil, on dirait un peu bah en fait c'est ça, on dirait mon parc actuel. Enfin pas forcément pareil, mais dans l'idée quoi. Tu sais c'est genre on essaye de détailler un maximum, mais en même temps, c'est pas customisé à donf, tu vois. Parce que c'est pas facile du tout, quoi. C'est vraiment pas facile. Il y en a pas beaucoup qui sont capables de faire des grosses customisations. Et j'en fais partie, tu vois. Je ne sais pas faire ça. Ok, des petites. C'est original, ça. C'est original. Ok, donc là, on a fait le tour. Donc là, il manque des choses, hein. Clairement, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Mais c'est pas du tout un problème. J'imagine que c'est pas fini. On a la file d'attente bon, pour les bûches ici, donc pareil, de type simple végétalisé. On passe par-dessus les rails, ça c'est cool, donc là c'est la fin, très bien. Eh bien écoutez, la file d'attente, on y est, la petite station bien sympa. Allez. Alors attends, là je suis sur un on-ride, ça me plaît pas, voilà. Du coup on n'aura pas les résultats des tests, hop. Je suis dans la tête de Brigitte. C'est formidable, Brigitte, j'espère que tu vas bien. Donc avec la petite allée sur le côté. Ce qui aurait été génial, de mon avis, c'est que... Salut, ça va? Tu me fais de l'œil. Ce qui aurait été génial, c'est que l'allée soit plus proche. Ça aurait été trop cool.
de faire en sorte que l'allée soit plus proche. Allez, c'est parti pour le lift. Oh putain, comme ça va vite. Il a mis la vitesse maximum. Ok, on peut voir la suite du parcours sur la droite, qui est assez intéressant. Là, il n'y a pas besoin d'incliner, c'est parfait. On a déjà un petit lift. Magnifique. Et on peut voir la suite du parcours ici avec les autres qui s'éclatent visiblement. C'est bon ça. Là, on vient de se rafraîchir parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis torse nu. Il fait chaud. Là, ça rafraîchit, ça fait du bien. C'est impeccable. On a un palmier qui a pop sur une roche. Ne posons pas trop de questions non plus. Très bien. Écoutez, on va se faire un petit accéléré. Hop. On a un deuxième lift. Et on va voir comment ça va se passer maintenant. J'imagine que là, ça va être tout ce qui va être sensation, inclinaison. Oula. Ça décapite, ça décapote. Et ouais, pourquoi pas. Alors c'est dommage que ce soit si court. C'est dommage que ce soit si court. Je pense que t'aurais pu faire Donc là j'imagine, on va mettre en accéléré. Là j'imagine ça va être la fin du parcours. Je vais me permettre de descendre. Ah merde. Pas besoin. Ouais, si je vais descendre du parcours, on va se permettre. Juste pour vérifier. Ouais, là c'est la fin du parcours. Une fin très longue hein, quand même hein. Franchement je dirais que c'est très long. Si tu fais un truc aussi long, faudrait déjà bon, que ce soit moins linéaire. Parce que là c'est vrai que c'est des grandes lignes droites. Je donne du coup ce que j'en pense hein, parce que vous le savez, c'est le but des vidéos. Et tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça aurait été de faire plusieurs zigzags, de faire des animations, voilà, qu'il y ait des points d'intérêt. Et éventuellement, si ça aurait été possible, de faire au même niveau que l'eau. Après ça c'est vraiment secondaire, mais moi je pense que ce serait pas mal. Et ouais, sinon les rails, c'est dommage. Dommage de pas avoir fait parce que là c'était pas mal, c'était intense, tu vois. Là ça aurait été génial que ça reparte à droite et tout. Enfin bon là c'est peut-être pas possible, mais ça aurait été vraiment pas mal que ça reparte. Mais vraiment pas mal. Et puis vous voyez, il n'y a pas de préfab là du coup. Pour le coup c'est vraiment, tout a été fait à la main, ça se voit. Donc impeccable pour le coup, la sortie qui est directe. Nickel. Ok, voilà pour les bûches. Alors moi j'avoue, je suis assez curieux. J'ai envie d'aller voir là ce qui nous... Waouh, là-bas qu'est-ce qui se passe. La station elle a l'air super haute. Alors on va y aller. Attends, non, d'abord il y a quelque chose ici. Ah bah c'est le grand coaster bleu, oh là là. La file d'attente elle a l'air Ah non si, elle est assez grande. Bon, elle est déjà pleine hein. La file d'attente elle est presque pleine. Ah là, ça y est, il rentre dans le truc. Impec, on pourra avoir les résultats des tests. Donc on a les pieds suspendus bien sûr. Eh, beau gosse Myriam. Et voilà, salut Myriam, ça va? Non, d'accord. Allez, c'est parti. Il aime bien les lifts qui vont vite là. On est sur du 23 km/h pour le lift. Ah, il perd pas de temps. Il perd pas de temps, sniper. N'hésite pas à laisser un petit commentaire d'ailleurs en description. Et c'est parti, avec une petite vague avant le virage à gauche. Et ça part. On passe au-dessus de l'allée. Bah là en tout cas c'est sûr que si tu veux des sensations, au moins t'es servi. Ah je peux te dire mon pote. Wouhou. C'est bon le switch là. Et ça freine fort. Et ça freine fort. Bon limite t'aurais pu laisser un peu plus de relâchement parce que là c'était... Mais là c'est parfait tu vois. Enfin c'est parfait hein. Moi j'adore quand ça freine à la fin. Paf, comme ça que t'as eu la vitesse. Là t'as eu de la vitesse pendant tout le show. Et ça franchement bien joué. Franchement bien joué d'avoir mis de la vitesse sur tout le truc hein, quand même hein, parce qu'il faut le faire hein, en vrai. Et ben en vrai de vrai le layout il est pas mauvais. Ça manque peut-être de vrilles je dirais, je sais pas ce que vous en pensez. Ça aurait été pas mal des petites vrilles, des petits retournements quoi. Parce que je crois qu'on n'était pas à l'envers une seule fois hein. À moins que je dise une connerie mais je crois pas. Par contre dans l'idée super intéressant ça là. Super intéressant. En plus qu'on passe au-dessus de l'allée là c'est vraiment chouette. Juste ici là. Ça c'est vraiment chouette. Bah c'est plutôt sympa. On a des petites toilettes ici. On arrive dans un petit village un peu conte de fées là. Waouh. Et par contre là ça fait peur là-haut. Moi je monte pas là-haut, hein. J'ai trop peur hein. Alors c'est par ici c'est ça. Donc il y a des escaliers. Est-ce qu'il y a un... Ah non ça c'est la sortie ça. Ok donc c'est pas... Il n'y a pas d'accès PMR. Malheureusement tout le monde ne pourra pas monter dans ce coaster. Ouais. Dommage. Putain, ça monte haut. Bon là va falloir mettre plus de protection quand même. Va falloir faire un sol.
Ok. Bah c'est bien, depuis la station on peut voir le coaster et puis depuis la file d'attente on voit un petit peu. Il y a qu'un seul train. Ah ouais, il y a qu'un seul train. Hop, il arrive. Ok, hop, je vais rentrer dans le wagon. Bon, c'est dommage qu'il y ait qu'un seul train. Là, je suis en accéléré. Ok, c'est bon. Et on y va. Bon, là, évidemment, c'est très brutal. Il n'y a pas de... Faudra fluidifier. Oh, la propulsion. Je l'ai pas vu venir. Wow. Ah oui. Bon, bah là, on a eu le looping. Ça c'était un préfab. Ah ouais. Il s'appelle comment le coaster là? Magic Express. Ah j'aurais dit Dead Express. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vais pas m'exprimer. Par contre ce qu'il faut dire c'est qu'il gère bien la vitesse. Moi j'aime beaucoup quand tu gères la vitesse comme ça. C'est, t'arrives à avoir une dynamique. Bon là c'était peut-être un peu trop violent. Mais même là en regardant, tu vois, d'un coup c'est... Wouh ça... il s'est passé quoi là? Alors je suis pas persuadé que ce soit un bon bail ça. Ah ouais. Ah quoique je sais pas. Alors attendez. On va vite choper le train qui est déjà en train de monter. Ouais, c'est bien ça, c'est très bien ça. Oh bah merde, mais qu'est-ce que tu nous as fait, sniper? Eh, franchement, en vrai de vrai, c'était pas mal. Alors, j'ai pas compris déjà pourquoi là, il y avait un lift. J'ai pas compris pourquoi il y avait une chaîne là. Il y a pas besoin en plus. Il y a assez de vitesse normalement. Je suis assez curieux d'essayer. On va l'enlever. Mais alors par contre là c'est pas bon du tout là l'arrêt. C'est incroyable. J'ai cru que j'étais en accéléré carrément. Alors que pas du tout. Non ça c'est pas bon du tout. C'est à la fin là. Hein. C'est pas bon du tout. Mais par contre c'est très intéressant là les virages, l'inclinaison ici. Là j'ai bien aimé ce qui s'est passé ici. La montée également là. À part la section crémaillère j'ai pas compris. Alors vous savez quoi? On va la faire passer. Les forces G de votre attraction dépassent les limites. Non tu crois? Je suis assez curieux là. J'ai envie de changer ça là. Et de mettre des rails normales. Voilà. Et on va voir si le... Parce que normalement c'est censé fonctionner. Démarre ou je te démarre. Ça y est ça part. Voilà, bon, je suis en accéléré. Donc évidemment on est sur du 2 FPS à peu près. Voilà. Donc là j'aimais bien. Et là normalement ça va marcher. Bah oui. J'ai pas compris pourquoi avoir mis sniper, n'hésite pas à me dire pourquoi avoir mis une chaîne ici là, franchement. Franchement. Non mais écoute, mais à part ça, le tracé a du potentiel. Le tracé a du potentiel. Mais tu peux toujours rajouter plus de vagues et plus de virages. Ouais, non, franchement, voilà. Juste la fin ici, par contre, là, je valide pas. J'assume totalement, là, je le dis. Non, ça ne va pas, ça, évidemment, ça, c'est pas bon du tout. C'est con en plus, parce que t'avais juste à enlever. Tu laisses les rails normales. Et ici, tu fais une ligne droite là, et tu fais du freinage, ça freine fort, et puis après les roues qui tournent... Merde, vous voyez pas ma main, je suis con. Alors je recommence. Là, tu mets la zone de freinage ici, ça freine fort en ligne droite, et après les roues qui entraînent vers la fin, ou tu vois, t'auras pu trouver un truc comme ça. Ok. Voilà pour ça. Voilà pour ça, on a un autre coaster ici. Wesh. Ouais, en fait, c'est... voilà, un de tes premiers parcs, c'est sûr que... comme moi, ben, t'as tendance à vouloir trop faire avec les forces G et c'est pas bon du tout. Mais niveau sensation, c'est clair qu'il y en a. Hein. Ah ça, c'est clair qu'il y en a. Allez, ça part. Bien les animations là. C'est ça qui manquait au bûche.
Bon là je vais rien dire parce qu'apparemment ça se fait de mettre une remontée directement comme ça. Donc je vais rien dire. Moi je suis pas fan mais moi je ne suis qu'un connard qui n'y connaît rien donc Wouh. C'est bon ça. Ouais. Ah. Bon c'est très brutal. Tu vois c'est très brutal mais l'idée elle est là quand même. L'idée elle est là. Donc juste à assouplir ou à gérer plus faiblement la vitesse. Et dans tous les cas c'est voilà. Mais l'idée est vraiment, l'idée est là et ça c'est cool. Ah, j'avais pas fait attention. Bon donc la file d'attente et puis la petite station. Très bien voilà. C'est vrai que c'est, on est vraiment des queues pour faire des bâtiments. En vrai c'est pas facile sur Planet Coaster de faire des bâtiments. Alors qu'après tu vois Banéif, tu vois tous ces gens là, bref Alban 12, tu te dis ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Mais c'est vrai que nous on a du mal. Nous on est des, on est des trous de balles. On est des trous de balles de Planet Coaster. Ok petit bâtiment. Bon ça c'est préfab hein. Tout ça c'est préfab. Ok. Le requin, oh on se fait avaler par le requin. Donc là c'est les spirales rotatives bien sûr. On passe dans le requin. Wouh. Waouh. Mais en fait il veut nous tuer hein. Il veut nous tuer Sniper. D'où ton pseudo. T'es là, t'es sur la colline, tu te prépares et tu nous... C'est Choli. Ah ça c'était Choli. Ouh. Ah j'ai bien aimé le retournement là quand même. Là le retournement il était très stylé là. Paf. Salut Myriam. De retour. Très bien. Voilà pour les spirales. Ici coaster futuriste. Bon voilà hein, ça manque évidemment de fluidité. Mais tu vois les idées qui sont bonnes. Et ça fait plaisir à voir. Ah là le looping c'est bon, ça a été une bonne vitesse. Enfin le looping, la vrille, comme vous voulez. Parce qu'avant c'est vrai, tout à l'heure on a fait un coaster où le looping c'est, ça, déjà il enchaînait 3 loopings. La vitesse a été absolument intense. Là ça m'a l'air ouais, c'est très brutal. Peut-être manque d'inclinaison et puis manque de fluidité surtout hein, bien sûr. Beaucoup de vitesse pour le coup. Ouais. Ok. Le orange, on va faire le orange. Ah bah en plus il s'appelle Rage. Merde je voulais pas le fermer, je suis trop con, c'est pas grave. Je vais aller me faire foutre. Hop. On y va. Pour le Rage. Ça va rager. Tu sens que c'est un mec qui vient de Call of Sniper. N'hésite pas à me dire si c'est ça. Donc pareil. Un boost sur la crémaillère là, 23 km/h. On perd pas le temps ici. Direction viser le soleil. Ça me fait pas peur. Eh. Hey. Eh. Hey. Eh. En vrai de vrai là. Bon, voilà. Ah, il fallait bien. Mais la première partie, il y avait un truc là. Ah, j'aime bien quand tu fais passer dans les bâtiments. Waouh, waouh, waouh. Non, jamais de la vie tu fais ça. Oh la vache. Oh, on est déjà arrivé. Énorme. Non, la première partie, en vrai, elle est... en vrai, il y avait quelque chose qui faisait que c'était pas déconnant. Hein. Là, cette première partie, bon, oui, voilà. Bon, on voit que c'est brutal de voilà. Mais c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Bon la deuxième partie ça part en vrille. J'aime bien là, le fait de passer ici. C'est bien parce que ce qui est cool avec le layout qu'il fait à chaque fois, c'est que voilà il arrive à faire la petite thématisation autour qui va bien. Vraiment ça c'est vraiment très très chouette. Bon là évidemment là tu même avec les protections. Ouais là franchement tu finis sur l'allée hein. Enfin ta tête au moins elle finit sur l'allée. Il y a un membre, il y a un membre de ton corps qui part. Qui se détache. Ok, ça c'est bon. Bah écoutez, il reste plus que... On a fait tous les coasters en réalité. Hein. Manque plus que le mauve.
Avec du coup la fameuse file d'attente ici. Très futuriste, très mauve justement, très très high tech. Ah bah là on est dans le... C'est très toxique. Ah bah c'est parti. C'est la chenille qui redémarre. Est-ce que t'es sûr de pas regretter d'être monté cowboy? Parce que là mon petit Lucky Luke, on va morfler à mon avis là. C'est bien, on voit tous les autres coasters là. Enfin derrière moi du coup. Allez c'est parti. En fait c'est une sorte de family coaster quoi. C'est une sorte de family coaster. Mais à ce moment là moi ce que je t'aurais suggéré c'est quand même de plus incliner quoi. Vraiment si t'as moyen de plus incliner et de fluidifier un maximum. Parce que ça reste quand même très 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 brutal.